Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour le vidéo test de No Man's Sky sur PlayStation 4. Ah bon, pourquoi ce test est arrivé aussi tardivement? Oui, sortie officielle le 10 août 2016. Nous sommes actuellement le 23 août quand ce test est publié. Édité et développé par Hello Games, et Peggy nous le déconseille au moins de 7 ans, sorti sur PS4 et PC, et note de 14 sur 20 sur Game Rankings. Pourquoi du coup? Ben parce qu'en fait je n'avais pas envie de faire une vidéo de 4 minutes, parce que ben, mine de rien en fait. Je suis désolé, Jean, je suis pas difficile à convaincre dans les jeux vidéo, mais lui. Comment dire? Il est. Ben, il n'y a pas grand chose à dire dessus malheureusement. C'est plus un reproche, hein. C'est négatif ce que je dis. Il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. Attendu comme le Messie, des capacités monstres, mais finalement mal exploitées. On a plus l'impression de jouer à un jeu qui est encore en bêta, plutôt que d'un jeu complet. C'est dommage, hein, parce que franchement, il y a du potentiel. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Mais au final, c'est mal exploité, les angles sont mal travaillés, enfin, c'est un truc de fou. Enfin bref, si vous aimez le craft, vous avez trouvé votre jeu. Si vous n'aimez pas le craft, bah ça sert à rien. Vous avez beau avoir le plaisir du discover dans le jeu, ah vous pouvez partir de planète en planète, hein, mais vous ferez toujours la même chose. Et ça c'est un peu dommage. Enfin voilà, on s'attendait à faire plus de choses. Hein. Que je vous explique un petit peu. Donc du coup, on dirige une personne, hein, un protagoniste dont on ignore quasiment tout. Et il doit retrouver son chemin vers l'Atlas, donc une entité qui le guide. Et notre but est bien sûr, bon, là pour l'instant, de farmer, d'avoir de l'argent pour acheter ce que ben, je crois que c'est une pierre d'Atlas ou une connerie du genre qui va nous montrer le chemin. Donc dans chaque planète où est-ce que nous sommes, il y a des points de vente, ainsi que ben, des formes de vie avec lesquelles on peut discuter. Pour pouvoir en apprendre sur leur langue, à ce qu'il n'y ait pas d'animosité entre les deux races, etc. Les points de vente, ben, c'est cette chose. Alors, est-ce qu'ils le vendent d'ailleurs? Comme ça, au moins, je pourrais mettre un nom sur cette chose. Je vais pouvoir vendre aussi. Alors, tout ce qui est vert, généralement, ça se vend parce que c'est plutôt rare et c'est cher. Pour ceux qui se demandent, je joue à peu près, ça doit faire, je dois avoir 4 heures de jeu là derrière moi, au total. Donc c'est pour vous dire à peu près à combien d'unités vous allez arriver. Tout en haut, vous le voyez, c'est l'argent. Mon but est d'avoir un meilleur vaisseau et bien sûr d'acheter cette fameuse pierre qui m'indiquera le chemin vers l'Atlas. Ce fameux ben, rubis rouge, je suppose, qui orne tous les boîtiers de No Man's Sky. Est-ce qu'il la vend? Non, il ne la vend pas, donc ça doit être dans une base. Donc on y ira de toute façon. Ça, ce sont des petites caisses où est-ce qu'on nous propose de nouvelles armes pour farmer, sauf que, bon, elle a peu de slots. Vous voyez écrit 7 emplacements. Je peux la comparer. Et vous voyez que la mienne, elle en a 8. Et je l'ai mieux buffé sur l'ensemble. Enfin bref, on va parler de toutes ces choses parce que voilà, la chose la plus difficile à comprendre dans ce jeu, bah, c'est pas le gameplay, c'est surtout bah, tout ce qui va y être amené. Bon après, le changement jour-nuit, c'est plutôt cool. La température change, etc. L'armure doit s'habituer. Donc le panel, pavé tactile. Et donc vous avez trois petites fenêtres. Donc le multi-outil. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez l'équiper de tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des mods, ça vous les trouvez n'importe où. Donc des extracteurs, un système de refroidissement plus grand pour pouvoir extraire plus longtemps en restant appuyé sur la gâchette car il peut surchauffer. Le vaisseau, donc là, c'est où est-ce que vous avez tous vos slots, où est-ce que vous devez recharger ben, les propulseurs, etc. En récupérant, bon, bien sûr, eh ben, des isotopes par terre, donc tout ce qui peut être de la couleur rouge. Vous verrez avec le scanner, vous verrez de quoi il en retourne. Et ensuite, l'exocombinaison, donc du coup, les items que vous avez carrément sur vous avec des petits buffs rajoutés et voilà, si ça vous prend trop de place dans l'inventaire, vous pouvez l'envoyer dans votre vaisseau en faisant triangle. Pourquoi? Parce que le slot du vaisseau peut contenir plus de matière que votre exocombinaison. Imaginons, là, je peux avoir jusqu'à 500 de zinc et l'exocombinaison ne pouvait en comporter que 200 par exemple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est préférable de l'importer au vaisseau. Mais attention, si vous êtes trop loin du vaisseau, vous pouvez l'importer, mais vous ne pouvez pas l'exporter. Du coup, c'est assez chiant. Là, ça c'est un point de sauvegarde. Donc les points de sauvegarde, donc du coup, sont des balises. Hein. Et une fois que vous avez découvert la planète, le mieux c'est de faire tous les points, de trouver les animaux, la faune, la flore, etc. Si la planète est habitée, bien entendu.
et ensuite d'envoyer votre rapport, et ensuite vous êtes payé. Vous êtes en gros un Discoverman, quoi, c'est ça à peu près, si c'est un petit peu le but du jeu. Donc le scanner, que je reviens là où est-ce que je farmais, vous avez vu ce gros dôme, c'est une énorme pépite. J'étais assez content, je pensais que c'était de l'or, et puis finalement, bon, déjà que l'or rapporte pas mal, mais ça rapporte encore plus, c'est de l'émeril. J'étais assez fan, mais bon, comme ma vidéo a commencé et que je l'ai un petit peu attaqué, j'ai réussi à faire un cut avec une prise en direct. Bah, vous allez voir un petit peu mon étonnement à ce moment. Allez, hop là, hop. Alors. Oh, la belle pépite d'or là-bas. Et de... Attends. Oh masse! Qu'est-ce que... T'es sérieux? Tout ça? Bon, oh, la belle pépite d'or. Oh putain non! C'est de l'émeril! Oh! Oh bordel! Du coup, j'étais assez content. C'était cool. Ben là, du coup, je continue en fait à farmer. Ce que vous voyez en haut à droite, donc c'est la barre qui se charge avec du coup, ben la surchauffe, le pourcentage qui me reste avant que je puisse le recharger avec des isotopes, mon pistolet. Et ces petits losanges, en fait, sont des symboles de recherche, un peu comme des étoiles dans GTA en gros. Parce qu'il y a des drones en fait qui patrouillent sur les planètes et eux, ils protègent la faune et la flore. Donc si vous faites de la merde, ils viennent vous attaquer. Voilà. C'est que cette pépite est vraiment immense et elle me rapporte de ces trucs. Donc comme je vous ai dit, quand c'est vert, ça rapporte plutôt bien. J'ai 51 sur 250. Valeur totale, ça va me rapporter 14 000 pour l'instant. Je le transporte dans mon vaisseau. Et là, j'ai carrément... voilà. Bon, j'en avais déjà revendu. Donc du coup, après, je l'exporte pour que ça me prenne moins de place. Mais du coup, voilà, le jeu, mine de rien, bah, c'est ça. Voilà. Non, c'est bon, quittez pas de suite la vidéo, c'est bon, je vais pas m'attarder à faire que ça. Mais c'est vrai que de laisser une veine d'émeril aussi importante, croyez-moi, dans No Man's Sky, c'est rare. Donc j'en profite un petit peu pour vous parler un petit peu du jeu. 18 trillions de planètes à visiter. Voilà, 18 trillions. Du coup, bon, vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert? Bah déjà, les planètes ont plus de faune et de flore en fonction. Le but du jeu au tout début, c'est vous êtes sur une planète. L'algorithme du jeu vous met sur une planète complètement random avec bah, une planète qui peut comporter de la toxicité, des radiations, une faune qui n'est pas très abondante, une flore qui ne suit pas non plus, ou avoir aussi la faune qui est plutôt agressive, donc peu importe l'animal que vous allez croiser, il va vous attaquer. À ce moment-là, équipez votre pistolet, comme j'ai pu le faire, d'un lance-foudre qui peut faire des dégâts. Pour changer, de passer du rayon d'extraction au lance-foudre, vous le voyez en haut à droite, je n'ai qu'à faire triangle. Ensuite, je l'ai équipé de bombe à plasma, c'est un lance-grenade avec la touche L. Du coup, ça c'est pour vous défendre, car oui, vous allez devoir vous défendre malheureusement autant contre les intempéries que contre la nature qui se dresse contre vous selon les planètes que vous voulez visiter. Mais après, oui, il n'y a que ça à faire. Donc ce jeu est un Discover Space Opera FPS Crafting. Voilà, c'est les 4 caractéristiques principales de ce jeu. Si vous aimez le crafting, alors là, bah, vous avez trouvé votre jeu. Franchement, c'est jeu de l'année hein, à ce niveau-là. Mais après, voilà, les planètes se ressemblent à peu près toutes, malheureusement. Si d'autres sont allés... Ok, il y a les 4 saisons, quoi, en fait. Voilà, ça va être plutôt style automne. Après, bon, bien sûr, voilà, il y a du désert. Comme vous pouvez le voir, c'est... Bon, allez, je vais quitter cette veine, mais c'est vraiment pour la vidéo que je le fais. Vous vous rendez compte du sacrifice que je fais. Les gens qui jouent à ce jeu vont se dire, oh putain, tu lâches quand même un sacré paquet derrière toi encore. Attendez que je rescanne un peu. Ah, ça me fait mal de laisser tout ça, mais c'est pour vous parce que je vous aime, vraiment. Du coup... voilà, vous allez trouver des planètes enneigées, des planètes style aride avec du désert. Mais après, voilà, il n'y a que limite le ciel qui change. Après, tout le reste, c'est pareil, quoi. Vous devez cultiver, vous devez extraire. Et ensuite, bon, acheter un vaisseau qui aura de meilleurs emplacements. On va un petit peu la visiter pour que je vous montre un petit peu, en fait, de quoi il en retourne, quel est le but de ce jeu. Mais bon, là, sur cette planète, j'ai tout fait. Donc, on va carrément se barrer. Un conseil, quand vous trouvez des bases, garez-vous sur les spots de d'atterrissage. Parce que si vous devez décoller quand vous n'êtes pas sur une zone d'atterrissage, ben, vous perdez 25% de votre propulsion et vous devez le charger en isotope. Et croyez-moi qu'on n'a pas que ça à faire, quoi. Donc là, je pense que je me suis assez éloigné. Elle est où la planète?
Oh, elle est énorme cette planète, vraiment. Du coup, je vais encore un petit peu m'éloigner. Je vais voir si je peux faire l'hyperpropulsion. Est-ce que cette planète, je l'ai vue? Est-ce qu'elle est découverte? Je vais m'y diriger. Hop. Alors, celle-là, elle est non découverte. Donc, on s'y dirige. Mais que je vous montre vite fait avant d'y aller. Ouh, des astéroïdes. On va se calmer un peu. Où est la base? Normalement, il me l'affiche où y aller, vers là-bas. Donc, ça, j'étais sur cet énorme caillou. Comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est la base où est-ce que vous pouvez vendre. Mais vous savez quoi? Je vais m'acheter un nouveau vaisseau parce que j'ai peu d'emplacement et ça commence à m'énerver. Bon, il y a des choses à faire, hein, mais après, c'est vrai qu'il risque d'en décevoir plus d'un, parce que voilà, on s'attendait à un truc. Ben, attendez, voilà, ce qu'on nous a montré à l'E3, c'est ça. On affiche la carte pour l'hyperpropulsion, voilà, on se met en exploration libre, voilà, on est content. S'il veut bien me le faire, voilà, merci. Hop. Interface Atlas. Ah, c'est là que je dois aller, ça y est, ça a été indiqué. D'accord. Bon, ok, mais bon, je voulais l'exploration libre. Donc voilà, vous voyez, je suis sur cette planète. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire, toutes ces petites étoiles, ça en est. Mais si c'est toujours la même chose à faire, franchement, oh là là, c'est décevant, quoi. Tain, quand on se dit qu'il y a absolument tout ça, tous ces petits points, oui, c'est un endroit où vous pouvez aller. Vous voyez là, celle-là, là, par exemple, hop là, ici, comment elle s'appelle? Je m'y rapproche. Voilà, salut, en base UFAC. En base UFAC, FACM, voilà. du coup, voilà, et ils comportent tous avec un espèce de système solaire, entre guillemets, enfin, une, voilà, c'est, non, franchement, c'est sympa, mais après, bon, vous voyez, c'est que s'il y a toujours la même chose à faire, on peut aller de galaxie en galaxie, et ça restera toujours la même chose à faire, et ça, c'est bien dommage. Après, mine de rien, moi, je suis assez satisfait sur le fond. Le 14, il mérite d'un certain côté parce que après, il est sympa. Mais après, c'est vrai que tout le jeu est basé sur le crafting. S'il n'y a pas ça, vous ne faites rien d'autre. C'est pour ça que je me dis qu'il aurait fallu plus de choses. C'est à cause de ça que j'ai cette impression que l'on joue à une bêta, en fait. C'est voilà, il n'y a pas assez de choses. En plus, voilà, graphiquement, il était magnifique à l'E3. On a un vieil After Effect de l'E3. Voilà, c'est un jeu qui, voilà, graphiquement, il est acceptable. Ah, un nouveau vaisseau, on va voir. Donc ça, ce sont des vaisseaux marchands, en plus du marchand qu'il y a dans cette base. Mais du coup, on va pouvoir faire nos emplettes avec ces vaisseaux-là. J'en vois un, là, il est en train d'arriver. Vous voyez ce petit point noir tout au fond. Mais voilà, après, c'est vraiment, je sais pas, tout se résout là-dedans. Donc, je vais voir une autre planète juste après pour vous montrer. Mais voilà, il n'y a que ça à faire. Et ça, c'est bien dommage. Au bout de 5 heures de jeu, ben, vous avez déjà tout fait. Vraiment, vous avez déjà tout fait. C'est bien dommage, une fois de plus. Voilà, dommage, c'est le mot que je vais répéter le plus souvent dans ce gameplay. Ce vaisseau est sympathique, mais je vais voir la gueule du prochain. Parce que j'aimerais bien qu'il ait une meilleure gueule, l'autre. Je vais quand même regarder combien d'emplacements il a par rapport au mien. Et à combien il est. Monsieur le pilote. Alors, donc ensuite aussi, vous avez des monolithes à trouver. Donc vous allez devoir découvrir la langue extraterrestre pour pouvoir parler, faire des transactions, etc. Donc ça, c'est un petit peu le principe de Final Fantasy. Par exemple, Final Fantasy X, où est-ce qu'on devait récupérer des dictionnaires pour trouver chaque lettre de l'alphabet Albed. Ben là, c'est à peu près pareil, sauf que là, on trouve tous les mots de la langue, en fait. Donc lui, il a 22 emplacements, il est à 945 958 unités, donc je peux me l'acheter. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur skin et plus d'emplacements pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un autre ici? Oh, attends, lui, il a attiré ma curiosité. Putain, lui, c'est un hippopotame, le machin. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Attends. Lui, il est trop drôle, ce vaisseau. Il est super funky. Oui, il est... Bon, esthétiquement, il est bof, mais... C'est la première fois que j'en vois un, comme ça. Est-ce qu'il a beaucoup d'emplacements? Il y en a 19, donc il y a mieux, quand même. Donc, c'est un vaisseau intermédiaire. Il est qu'à 521 000. Vous vous rendez compte, on fait nos emplettes ensemble, c'est génial. Il y a encore le même. On va aller voir lui, là, le gros. Ah, lui, doit en avoir des emplacements, lui, et pas qu'un peu. Viens ici. Ouais, mais bon, putain, me trimballer avec ce vaisseau, quoi. Je suis un discover, quoi. Je suis pas un marchand, quoi. Ah, j'ai analysé le mot voyageur dans ce qu'il vient de me dire.
voilà, il peut vendre, on peut acheter des trucs. Du coup, il a 24 emplacements, le bâtard. Mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Ouais, après, c'est toujours les mêmes en fait. Hein. Ça dépend des planètes. Ça dépend des planètes, de l'atmosphère, de la galaxie où nous sommes, où nous nous situons. Du coup, en fonction, on a différents autochtones et vaisseaux qui se présentent à nous. Donc ça, encore, c'est sympathique. Est-ce que la pierre, elle est quelque part? Mais non, mais en fait, j'en ai pas besoin, vu que on vient de m'indiquer où était Atlas. Donc, mais je vais pas y aller de suite parce que j'ai quand même envie un petit peu de farmer le jeu. Je sais que vous voudriez peut-être vous y rendre vous pour voir pendant le test, mais bon, après, le but est de s'y rendre, certes. Mais bon, je pense qu'on aura plein d'autres choses à faire. La seule chose qui nous retient, bah, c'est de faire justement bah, du crafting. Du coup, bon, ça. Ouais, vous allez dire peut-être que c'est chiant hein, si vous aimez pas ça. Mais bon, bizarrement, moi ça va. J'acquiesce. C'est. Étape de voyage atteinte. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi on me juge comme ça? Marchand. Ah, parce que j'ai gagné cette somme. Ok, c'est cool. Alors, toi. Non, parce qu'il faut quand même que je change de vaisseau, parce que le mien, je peux plus là. Vous le voyez derrière, le pauvre, il fait pitié quoi. J'ai l'impression d'avoir un vieux vaisseau. Je sais pas, ça. Pour le foutre sur l'eau. 22 emplacements, c'est sympa. Ouf, niveau arme, il est pas mal aussi. Et je peux me le prendre. Mais il y a un autre qui vient de se garer. Je sais que je vais le regretter en faisant rond parce qu'il va décoller là. Il n'y a personne d'autre. Si, il y a ce vaisseau-là. Mais c'est le même, non? Non, c'est lui le même. Lui, il est. Ah, il est différent un peu. Ouais. Ah, il a une meilleure gueule même. Non, c'est les mêmes? Est-ce que c'est les mêmes? Non, ils ont pas les mêmes ailes. Il n'y a pas le même arrière, je crois. Non, il n'y a pas le même arrière. Ouais, il est différent, lui. Ah, lui, il m'aguiche peut-être un peu plus. Allez, on va voir. Allez, pitié que t'aies au moins plus de 22 emplacements. Ce serait cool. Parce que le mien, je crois qu'il n'y en a que 17, il me semble. De toute façon, on va comparer. On va comparer. Faire une offre, du coup, pour son vaisseau. 23 emplacements, il coûte 1 300 000. Ah putain, j'ai pas assez, bordel de merde. Alors attends, on va comparer avec le mien. Donc du coup, le mien il a 15 emplacements même. C'est pire que ce que je croyais. Ouh! Lui est tout nouveau lui aussi. On voit plein de nouveaux vaisseaux, c'est cool. Bon allez, je vais pas perdre plus de temps. Je regarde lui, s'il me plaît pas, je reprends le vaisseau et je vais voir une autre planète pour vous faire quand même un petit peu de. Je vous montre un petit peu l'intérêt du jeu. Si on peut parler d'intérêt. Mais après voilà, c'est pas un jeu que je vais revendre ou quoi que ce soit, je vais le garder parce que je le trouve sympa. Farming. Oh! Voilà! Ça ressemble plus à un vaisseau qui a un peu de la gueule, ça, c'est un style agressif, c'est sympa. Ouais, mais ouais, toi tu dois pas avoir beaucoup d'emplacements. Vu ton ergonomie, tu dois pas. Vas-y, envoie, montre. Montre, show me. 18, non, non, non. Je prends ou un plus de 22 ou rien du tout. Allez, bon, on reprend le vaisseau. On va visiter une nouvelle planète, hein. Comme ça vous allez voir de quoi il en retourne. Hop. C'est parti. Donc, quelle planète j'ai regardé? Bon, ça c'est le gros. Ça c'est la station. On va voir, est-ce que c'est en bas? Il y a des vaisseaux, il y a des planètes, il y a quelque chose. Ok. Celle-là, est-ce que je l'ai déjà découvert? Celle-là, déjà découvert. Je l'ai déjà découvert. Bon, mais il n'y en a pas une toute petite. Vers le bas, je crois, ou un truc comme ça, non? Il y a quoi une planète ici? Il n'y en a aucune. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Monsieur. Oh, lui, il est gros cet astéroïde. Eh ben, j'ai récupéré quoi? Inventaire plein. J'ai mon inventaire qui est plein. Ah oui, ben oui, parce que je suis dans le vaisseau. Oh, je suis con. Genre, je vais faire transférer objet. Voilà, je le mets dans mon exo. Voyons, et c'est quoi du coup que je récupère? C'est du tanium? Oh, du tanium. Non, même pas. Du nickel, ok. C'est la première fois que j'en chope. On va voir ce que ça donne. J'étais vachement prêt. Le nickel, ça coûte combien? Bon, non, c'est pas bien cher. C'est pas bien cher alors que c'est vert. Ça m'induit en erreur tout ça. C'est comme s'il perdrait limite. Du coup, quelle planète j'ai le moins visité? Je vais me manger les cailloux si ça continue. Du coup. Ah non, mais celle-là, je l'ai pas.
Non, non, découvert, mais c'est où? On vient de me dire un truc. Ça, je l'ai découvert. Ah, elle est derrière. D'accord. Ok, elle est derrière. On va se mettre en propulsion. Voilà, elle était derrière la petite planète. Hop là, on se calme un peu, on recalibre. C'est bien elle? Allez, feu. Voilà. Allons vers Eifer-Giesbos. Oh putain. Non mais sérieusement quoi. Trouver un algorithme pour faire 18 trillions de planètes, je veux bien, mais je sais pas, enfin, je veux dire, on dirait que les mecs, ils ont fait un brainstorming autour d'un jeu de Scrabble, quoi. Le mec, il a eu 13 lettres, il en fait une planète. Oh du con. C'est affolant quoi. Hostile. Oh. Alors, je ne sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je ne sais pas si on peut se faire attaquer quand on est dans l'espace à ce moment-là. Heureusement qu'on est dans la propulsion. En fait, là, c'est même pas de l'hyperpropulsion. Ah oui, je me fais attaquer. Sérieux? Oh, carrément? Vous êtes sérieux? Oh, du con. Bon, ben, on a la réponse. Oh non, non, mais attends, mais moi, je sais pas l'utiliser, ça. Propulseur désactivé, perturbation ennemi proche. Oh, je suis trop loin, je peux pas. Comment je vais faire pour les attaquer? Oh là 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 là. Je vais me faire démonter. J'ai mon bouclier, ça va? Ouais, mais il faut que je calcule leur tir et tout, non? Même pas. Attaquer les vaisseaux restants, il en reste deux. Ouais, mais s'ils me volent tous autour là. Ok, ils sont là. Ah, je l'ai eu. Ouais, je pense que je l'ai eu, mais pas de beaucoup. Ah, il est là. Eh ben. Je suis mal. Dégâts critiques, je vais essayer de le recharger. Hop, voilà, j'ai récupéré mon bouclier. Mais ils sont où? Ils sont là. Mon petit radar indique qu'ils sont par là. Oh putain, ils sont en train de me faire tourner de l'œil quoi, limite. Ils sont où? Non, mon radar indique toujours en bas, toujours au-dessus. Ah, il est là. Putain, c'est pas évident par contre. Ça, c'est la première fois que j'ai un gameplay comme ça. Je vais te fracasser. Bon, je l'ai touché. Je vais rester sur le même. Il a une flèche orange. Ça veut dire qu'il doit plus avoir trop de vie. Oh putain, bouclier désactivé. Ça y est, je suis mort. Oh merde. Eh ben putain, bon, ben c'est la première fois que je décède en fait. J'avais réussi à survivre à la faune et. À la faune des planètes. Est-ce qu'on perd de l'argent du coup? Ah oui, je me suis fait tout voler du vaisseau. Oh, oh comment c'est punitif! Oh, cette violence! Bon, ben au moins. Limite, c'est en subissant ça que ce jeu remonte dans mon estime. Bon, on va quand même essayer d'y aller à cette planète et on va essayer d'y aller rapidement. Si possible. Oh bordel! Ils sont sérieux ou quoi? Putain! Bon, elles sont où ces planètes? Je sais qu'il faut que j'aille plus vite. Hop, le turbo, il est mis. Mais bon. C'est où, du coup? Les planètes, c'est celle-là, non découvert. Ah, ça c'est ma tombe, d'accord, ok. Bon, bon, on va y aller. Ça veut dire qu'on pourrait récupérer tout ce qu'on a? On y arrive dans 40 secondes. C'est fat. Non, après c'est sympa, mais bon, après, ok, bon, bah, bataille spatiale, ça je ne le savais pas. En même temps, j'ai pas non plus trop voulu me spoiler le jeu, il était attendu comme l'un des plus gros jeux 2016. Bon, faudra voir quoi. Mais après, c'est vrai que les retombées vidéo ludiques des joueurs, ils accompagnent pas. Ils accompagnent pas le jeu, hein. Il a pas reçu, il a pas été tarifé d'éloge quand même. Hein. Donc dans 3 secondes j'y suis, 2, 1, est-ce que je dois y passer dessus? Comment je dois faire? J'ai tout récupéré. Est-ce que je me fais attaquer? Non. Ok, je peux réactiver mon hyperpropulsion, ils sont pas là. Cool, vite, allons atterrir, parce que sur terre ferme, je m'en sors beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il y a une base quelque part? Activons le scanner. Ok, il y a quelque chose là-bas. Ah, j'ai récupéré mon iridium. Oh, ça fait plaisir de voir tout ça, putain, parce que j'avais perdu des masses quand même. Bon, c'est bon, on a qu'à repasser sur la tombe. Bon, je la prends, hein. Hop,
Allez, on va atterrir. On sait toujours pas où est-ce qu'on atterrit dans ces jeux. Hop, je suis par où? Stabilité, niveau de température. Alors, rafale sèche, détendu, plein. Faune stérile. Ok. Ok, ok. Du coup, c'était où? Le point d'interrogation. Ah, bah il est là. Cool, allez. Alors, cette planète, je l'ai pas découverte, il n'y a absolument rien. Et le mieux, c'est découvrir le plus de choses pour une fois que vous envoyez votre rapport avec Carré, ben, on vous paie beaucoup plus. Logique, vous allez me dire. Donc là, voilà. Point de sauvegarde activé. Et le but, du coup, ça va être de trouver. Bon, ben là, normalement, il y a des petites caisses normalement qui sont censées nous accompagner, mais bon, là, il n'y a pas grand chose. Ah, j'ai trouvé un autre point d'interrogation. Et en gros, c'est trouver la. Bah, découvrir la planète uniquement comme ça, en fait. Et ouais. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Oui, il y a différentes choses à trouver aussi. Des monolithes pour des pierres de savoir, apprendre des mots. Des choses comme ça. Ça, oh, ça, c'est à détruire, ça va me filer du platine, mais je pense que les petites tourelles, les drones vont m'attaquer. Et si vous remarquez bien, la petite voix qui vous accompagne, qui vous prévient des dangers et tout, c'est la voix du robot femme de Aperture Science dans le jeu Portal. Hop, j'ai gagné un porte-bonheur geek. Très bien. Alors, je me mets en lance-foudre. On va voir si... Oh, ouais, ça détruit. Ah, je suis en train de m'attirer des vilains, là. Drone sentinelle. Alors, t'es où? T'es là. Hop. Il n'y en a pas d'autres. Allez, on continue. Allez, vite, recharge-le. Hop, hop, hop. Et voilà, on s'est tout fait. Attends, il en reste une. Il me regarde. Oui, il est là. T'en fais pas, t'en fais pas. Cherche pas où est le méchant. Je suis là. Bim. Il y avait d'autres caisses? Oui. Inventaire plein. Merde. Inventaire plein. Ah oui. Je vais mettre mon platine avec mes grosses réserves de platine. Ah, j'en ai bloqué, hein, ça y est. Il y avait quoi? Un objet vert, j'espère. Oui, ça coûte cher, ça, la revente. Mon inventaire est encore plein. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai bousillé, j'ai pris tout le platine qu'on pouvait. Ouais, d'accord. C'est peut-être que j'en ai un peu trop, du coup. Oh, remarque, à la revente, je vais essayer de trouver un marchand. J'ai même pas activé le point de sauvegarde, je crois. Je suis vraiment con. Et ne dites pas oui, hein. Bah si, en fait, je l'ai fait. Ou alors je l'ai découvert, je sais plus. Non, normalement, j'ai une animation, donc j'ai dû déjà le faire. Oh, je sais plus, et puis merde. Non, mais je voulais pas partir aussi haut, hein. Ramène-moi. Ramène-moi, c'est bon. Ça, c'est qu'on reste 3 puits aussi sur R2. Donc du coup, voilà, c'est d'aller en point d'interrogation, et à un moment, on peut trouver bah, des minerais assez sympathiques, des trucs pour... voilà. Là, il y a une grosse pépite d'or au fond, je sais pas si vous l'avez vu, donc je m'y arrêterai. Mais voilà, le but du jeu, c'est de faire ça, et juste ça. Malheureusement ou heureusement, en fonction de vos goûts. Donc après, voilà, je vais pas m'éterniser davantage, parce que quand je vous dis que c'est vraiment les mêmes choses à faire, c'est que c'est vraiment les mêmes choses à faire. Donc à part me regarder, à limite, à en faire un let's play ou un stream, je vois pas réellement l'intérêt, quoi. Je vais m'arrêter là, en espérant du coup, malgré tout, et mon avis mitigé plus vers le positif quand même, parce que j'ai dit que je comptais quand même le garder et que le farming, j'aime bien ça. J'ai pas des heures et des heures de Minecraft derrière moi pour rien, de Minecraft, pardon, pour les puristes. Mais du coup, voilà. Ne vous attendez pas à grand chose si vous vouliez faire autre chose que du farming. Non, le jeu ne comporte que ça. Mais après, si vous aimez les scénars, que vous voulez découvrir des histoires, en apprendre sur la langue des Corvex, ces fameux humanoïdes, ce jeu pourrait éventuellement vous plaire. Après, il faudra payer le prix fort. Mais bon, ce n'est pas un jeu à rejeter au début. Et puis... heureusement qu'il y a des gens et des let's play qui existent pour vous apprendre comment gérer votre exocombinaison vaisseau et multi-outils, parce que c'est pour moi la chose la plus dure à apprendre dans ce jeu, donc c'est pour dire la difficulté réelle du jeu. Sur ce, je vais donc m'arrêter là.
Je vous dis donc à très bientôt en espérant que ce test de No Man's Sky vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde et à ciao.